Bonjour, je suis Sabrina Touchane, je suis chef de projet au sein de la Maison Mulot. Être chef de projet au sein de la Maison Mulot, c'est travailler en collaboration avec différents cœurs de métier, donc des boulangers, pâtissiers, traiteurs, mais aussi des personnes qui sont en vente, et proposer des nouvelles idées créatives, des nouveaux axes de développement, de chiffre d'affaires pour voilà, accompagner cette entreprise. Et donc développer avec toutes ces personnes qui travaillent au sein de la Maison Mulot une nouvelle identité, des nouvelles recettes, des nouvelles offres aussi. Mais c'est aussi travailler sur des projets plus conséquents, à savoir l'ouverture d'un salon de thé au sein de la Maison Victor Hugo. Donc développer ce projet au sein de la Maison Victor Hugo, donc la Maison Mulot a eu la chance d'avoir une concession au sein de la Maison Victor Hugo pour y développer un salon de thé, un coffee shop. Et donc moi, en tant que chef de projet, j'ai la chance de pouvoir travailler sur l'ensemble du projet, du début des plans avec les architectes jusqu'à la création d'une carte, de menu. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller puiser dans l'histoire de la vie de Victor Hugo pour essayer d'y trouver voilà, des éléments, que ce soit sur des recettes qu'on pourrait proposer, des collaborations qu'on pourrait faire. Donc c'est extrêmement enrichissant, ça va, je vous dis, aussi bien de la création du lieu à la sélection de la vaisselle, la création de recettes, toute la partie marketing, communication, image. Donc c'est vraiment extrêmement global, ça va aussi sur des choses plus techniques, à savoir préparer les plannings, évaluer les coûts, le budget, c'est extrêmement diverse. Donc ce qui me plaît dans ce métier, dans ce nouveau projet, c'est vraiment le fait de pouvoir toucher à tout, aussi bien être en contact avec les cuisines pour créer des nouvelles recettes que être sur la partie beaucoup plus back-office, trouver les logiciels de caisse, travailler sur les plannings, évaluer les coûts et le budget, et aussi une partie beaucoup plus créative, créatrice, voilà, sur toute la partie marketing, communication, avec le déploiement de différents éléments de communication, aussi bien sur, par exemple, des goodies que sur les menus ou d'autres éléments de communication. Donc, ce que j'aime le plus chez la Maison Mulot, c'est le gâteau à Marie-Lise, qui est un iconique de la maison. C'est un biscuit macaron à la pistache avec un insert fruit de la passion. Il y a le côté croustillant, croquant et le fruit à l'intérieur dans une crème très, voilà, très acidulée. C'est délicieux, c'est vraiment à tester.